Mesdames et messieurs, bonjour, c'est BFA, on se retrouve pour une vidéo exceptionnelle. Vous allez me dire, Bibi, qu'est-ce que tu es en train de faire? Un nouveau compte, t'en as 50. Oui, oui, un nouveau compte, mais pas un compte de pack opening. Enfin, en tout cas, pas comme d'habitude, ou peut-être. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer. Début d'une nouvelle aventure, je me suis dit, on va revenir, on va refaire un... J'avais envie de recommencer à zéro, mais j'ai pas envie de recommencer à zéro en mode, je try hard, je machin, je truc, je fais ma life. Je veux recommencer à zéro, mais c'est vous qui allez piloter. En fait, des fois, on voit... ça va être un compte un peu... Ça va être le compte de la communauté. Mais je me suis dit, soit je fais du free-to-play, soit je fais la communauté. Je me suis dit, je vais faire les deux, en fait. Je me suis dit, ça va être free-to-play. Ça veut dire que moi, j'ai le droit de rien mettre de par moi-même. Voilà, je sortirai 0 euro de ma poche. Ça va pas être facile. Hein. Des fois, c'est quand il y a des offres et tout, on a envie de les faire. Ça va pas être facile. Donc, je vais mettre 0 euro de ma poche. Mais vous, par exemple, j'ai créé une adresse email qui est en description. Ça s'appelle BFA Le Retour. BFA Le Retour à gmail.com. Vous pouvez m'envoyer, par exemple. Attention, hein, je suis pas en train de dire, c'est vous. Moi, si on reste full free to play, on reste full free. Vous m'envoyez rien. Mais c'est un peu comme celui qui reçoit des cadeaux des abonnés. Si vous m'envoyez une carte iTunes ou Google Play de 1,50€ ou 2€, je m'en fous. D'accord, c'est vous qui décidez. Et vous dites, Bibi, je veux que avec ces 5 euros, tu achètes 3 mégaboîtes. Je veux qu'avec 5 euros, tu achètes des coins doubleurs, un emote de je sais pas quoi. Et du coup, moi, à chaque fois, à chaque vidéo suivante, faut peut-être attaquer le robot. Vidéo suivante, on ouvre le courrier des abonnés et on voit, voilà, il y a Toto27, qui fait sa dédicace à Tata Ginette, parce que vous pouvez passer une petite dédicace, mais bon, c'est pas le but du truc, hein, mais bon, si vous voulez être une dédicace, on va quand même la mettre. Voilà, et vous contrôlez. Pareil. Alors, voilà, et donc du coup, on fera ce que vous décidez. Et vous me direz, par exemple, des choses aussi que vous allez contrôler en commentaire de la vidéo. Là, par exemple, bon, ça, je sais pas, il faut quand même commander ça un truc. Là, j'ai décidé que on allait tous s'appeler, parce qu'il va y avoir un clan. Voilà. Il va y avoir un clan qu'on va peut-être faire dans cette même vidéo. Free BFA. Free parce que free en même temps c'est gratuit et free parce qu'en même temps c'est libre. Ça veut dire c'est vous qui. Enfin, vous allez me contrôler. C'est moi, je suis libre. Comment dire? Je suis au contraire, je suis plutôt emprisonné par vous. Ok, Free BFA. Ok, il a pas dit non. Bon, moi j'ai 18 ans, hein, je le dis toujours. Hein, ça se voit, non? Bon, 18 ans, voilà. Donc, vous allez tous créer un compte si c'est pas déjà fait. Donc, on va prendre le clan. On prendra des gens qui seront entre 0 et 200 TR maximum, puisque vous aurez peut-être joué un petit peu. Voilà. Donc, voilà, 0 et 200 TR max. On va mettre un modérateur qui va faire ça dans le clan pour vérifier ça au début. Et après, on va grandir ensemble et on ne fera que jouer ensemble. Voilà, au début, voilà, parce que je fais la vidéo. Voilà. D'accord? C'est un compte communautaire. Donc, on jouera avec les abonnés. On va win avec les abonnés. On aura tous des Chili, tous des Nita. Voilà. Donc, vous allez vous appeler Free Toto, Free Sébastien, Free Kevin, Free Thomas 753. Vous mettrez le Free devant. Voilà. Comme ça, on saura que bah, vous êtes la team Free, en fait. Hein. Voilà. Bon, après, Free, bon, je sais pas, je voulais un truc court. En général, c'est trois lettres. On aurait pu faire des BFA, mais c'est bon, c'est un peu relou de s'appeler tous BFA. Hein, un peu de machin. Bon, là, ça, quel plaisir de jouer contre des bots. Voilà. Donc, va falloir que je vous pose des questions. D'abord, on va finir avec ça. Voilà. 8 TR. Un passage important. La première game, voilà, bon, machin, je vous ai passé les détails. Voilà, d'accord. Très bien. Du coup, on va pouvoir avoir un magnifique, voilà, couleur. Alors, couleur free-to-play, ça serait plutôt quelle couleur? En bleu, comme ça, bleu ciel. Ça fait un peu plus free-to-play, comme ça. Ouais, c'est pas très joli. Non, en vrai, le doré, on peut être golden. C'est vous qui allez me mettre golden. Bon, voilà. Tac. Très bien, la première petite boîte, c'est formidable. Donc, on a le shop. Alors, pareil, on a la connexion au Supercell ID. Je peux vous dire en commentaire. Ah mais on soutient personne. Donc, on va se soutenir. Bon, bah, ça va pas servir à grand chose tant qu'on mettra pas de sous. Mais si vous en mettez, je le mettrai pour vous, mon code. Voilà, donc, ça c'est dit. Enfin, je pense que vous avez compris. Vous avez le mail, bfaleretour@gmail.com. Si vous voulez envoyer des cartes iTunes ou Google, que ça, pas de PayPal, machin, on va pas prendre. C'est parce que ça va aller que dans le jeu et que dans ce compte-là, si vous voulez le faire, et c'est optionnel. Sinon, toutes les autres décisions, mis à part ça, vous les donnez en commentaire, mais on va pas partir dans tous les sens. Donc, pour que ça passe pas dans tous les sens, par exemple, sur la chaîne secondaire, voilà, je vous invite aussi à checker la chaîne secondaire en description.
J'avais fait une vidéo avec la chauffe-clan, j'ai demandé le nom du clan. Bon, bah, j'avais dit la vie de Tata Ginette qu'on allait l'appeler comme ils allaient le dire. Sauf que eux, ils ont cru que Tata Ginette faisait partie des propositions. Et du coup, il y en a un qui a mis Tata Ginette au nom du clan et il a déjà bu plus de 1500 pouces dessus. On va sûrement, c'est ce qui va se passer, on va sûrement, parce que j'ai pas l'impression qu'il, j'ai l'impression qu'il va gagner, on va créer un clan qui s'appelle Tata Ginette sur Clash of Clans. Bon, c'est pour ceux qui veulent suivre l'aventure Clash of Clans, elle est très intéressante. C'est un peu le même délire, mais voilà. Là, on va aller plus loin parce que là, on va vraiment tout machin. Donc, du coup. Alors club, attends, justement, créer un club, est-ce que je peux créer? Vous devez atteindre niveau 5, bon, pas de problème, je vais créer un club avec l'autre compte, je vais me mettre celui-là ici et on va gérer ça tout de suite. Ah bah attendez, bon, alors mais tu vas me dire, attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Oui bah alors attendez, je ils ont changé des trucs, pourquoi je partais là-bas? Parce qu'en fait je voulais, comme je l'ai dit, créer un compte pour un nouveau clan. Voilà, enfin, changer de mon, ouais, sur mon compte principal, créer le clan parce qu'il faut être niveau 5, créer le clan, il repart, bah, etc. Mais je me suis dit, il faut quand même sauvegarder mon compte. Donc j'ai sauvegardé mon compte avec Super Saiyan ID, et Super Saiyan ID, du coup, quand j'ai mis ça, il m'est barré là-bas. Donc il m'a pas demandé, et direct, bim. Voilà, c'est pour ça que j'ai été surpris, parce que normalement, c'est dans la boîte aux lettres. Et là, c'est plus dans la boîte aux lettres, c'est direct. Là, c'est direct, il n'y a plus de boîte aux lettres. Oh, il y a une boîte gratuite, on va voir ça tranquillement. Du coup, voilà, vous avez vu, j'ai pas eu de boîte aux lettres, machin. Ah voilà, et puis encore le petit doigt, machin, brûleur. Bon, alors voilà, il y a Bar Tabac, tout va bien, choisir. Magasin. Ah ouais, il veut que j'ouvre la boîte. Ah, il veut d'abord que j'ouvre la boîte. Bon, ok, on va ouvrir la boîte. Émotion ou pas? Le 1. Point de pouvoir de Shelly. 22, c'est pas mal. Level 2. Shelly, level 2. Après, il y aura des grosses questions dans le chat. Est-ce qu'on passe Shelly level 2 ou Bar Tabac level 2? Bon, on verra. La question, je pense qu'on va la réserver, on va avancer un tout petit peu dans la vidéo, et la question va se dessiner pour juste après. D'accord? Bon, on retourne à cette histoire de clan. Créer un club. Bon, d'accord. Alors, le badge. Le badge. Vous allez choisir le badge. Vous allez choisir. On va créer. Alors bon, c'est vrai que le nom du clan, vous devriez choisir. Bon. Alors, comme vous ont choisi sur Clash of Clans Tata Ginette, moi je vais mettre Tata Ginette. Mais je pense que ça va être la prochaine question, c'est... Le nom du clan, vous choisissez dans les commentaires le nom du clan. Alors comment ça passe? Moi je vais pas mettre de cœur exprès sur les trucs parce que peut-être ça va influencer sur le truc. Je mettrai pas de cœur, mais celui qui aura le plus de likes, ça va être ça le nouveau nom du clan. Donc pour l'instant ça va être, je vais mettre Tata Ginette. Si vous mettez Tata Ginette et que c'est encore ça connecte, ça va rester comme ça. Si vous changez, on refera un clan. Et on rappellera, enfin je sais pas si on peut renommer, donc si on peut pas renommer, on refera un clan et on l'appellera comme celui qui aura eu le plus de likes. Comme je dis toujours, pas de truc raciste, pas de vulgarité, etc. Un truc clean, hein, user friendly. Ok, du coup, moi j'aime bien le jaune, donc on est on fire, donc, ou alors un petit fantôme. Ah je sais pas, j'aime bien aussi le petit fantôme. Bon ok, on est on fire, Tata, voilà, Ginette, chère Tata Ginette. Description. Pour venir, il faut avoir max. Alors c'est marrant, c'est trophée requis, c'est 0 et c'est 200 trophées. Et il faudrait que moi, il me faudrait max 200 TR. D'accord. Bon, voilà, très bien. On met quoi d'autre? Voilà, pour l'instant, on met juste ça. Ouvert. Donc, trophée requis, bah, c'est le minimum, donc maximum. Donc 0. Familial. Ça change quoi, familial? En mettant votre club en familial, vous autorisez les joueurs de tout âge à le rejoindre. Si vous jouez, vous ne pourrez plus revenir sur votre décision. Ah bah oui, les potes, attendez, on va pas faire de la ségrégation sur les petits kikou. Non, vous avez compris. France, bon, France, enfin tout ce qui est francophone, il n'y a pas francophone, il y a francophone ici, dans ces pays. Donc pays, France, voilà, on est parti. Donc ça c'est créé. Du coup, bah là, du coup, faut que je change de compte. Ah ouais, du coup, il y a la petite icône club et tout machin. Donc formidable. Donc on a des membres, on a free. Alors on fait profil. Et j'ai jamais géré un clan moi. Et comment on le monte de niveau lui? Je sais même pas. Promouvoir. Voilà. Ok. Senior. Ok, on peut le promouvoir encore. C'est comme ça qu'il faut faire. C'est un peu casse-pied, dis donc. Vous faites ça à chaque fois vous. Vice-président. Oh, être président. Bah je veux qu'il soit président moi. Les petits. Voilà. Président. Voilà, donc vous avez, alors je vous laisse les deux comme ça, vous avez l'identifiant ici, machin du truc, voilà, très bien, et c'est nickel, voilà, ou alors je partagerai l'invitation, bon, à mon avis vous allez le trouver, hein, vous avez le code, tout machin, on est bon, retour au bercail, bon, bercail c'est ça, donc du coup, ça commence pas mal, bon, on a une boîte ici, et on a une boîte ici, très bien, on y va, la grosse boîte, bim, est-ce qu'on peut avoir un brawler, ça serait énorme.
C'est déjà un petit primo, un petit truc. Parce que là, je vous cache pas que on va. Ah oui, on a Nita. Faut débloquer Nita. Objectif, débloquer Nita. Bon, est-ce qu'on débloque Nita avec notre Wartaba qu'on va passer level 2? Bon, je pense que on est d'accord pour le passer level 2. Hein? Bon, voilà, on va le passer level 2. Ah, on peut même passer level 3. Oh, on va le passer level 3 alors. Bon, par contre, on va être short en or direct. Hein? Ah ouais, là c'est. Oh là là, gestion du free to play, elle est pas facile. Jouer, il faudra débloquer les modes de jeu, enfin les duos, etc. Bien sûr, les games qu'on fera dans ce clan entre abonnés vocal pour les vidéos, c'est sur le Discord en description. Voilà, d'accord? Ok, lui veut qu'on vienne. Il y a deux chez lui, c'est trop stylé. Ok, bon. Alors attendez, moi je vais tryhard. Hein. attendez, je suis level 3, hein, je suis trop chaud là. Tac, tac, je prends les gemmes. Allez, je suis le mid ou pas? Non, pas. On va claquer des ultis ou pas? On va claquer des ultis, on s'en fout, non? On s'en fout, de toute façon, je pense qu'il. Regarde, la Rosa, je pense qu'elle a pas compris le but du jeu là. Mais pourtant, ils ont des vrais pseudos, hein, c'est pas des bots, on est d'accord, non? C'est juste des nouveaux joueurs qui découvrent le jeu. Bim, oh là là. Ah, en plus, les Shelly là, c'est magnifique. Ok, ouh là là. Attention le primo ici. Ouais, elle est bien. Hein. C'est du gameplay de. C'est du niveau des quoi qui est dedans, tout ça, non? Au niveau du gameplay, c'est à peu près pareil. Bon, d'ailleurs, le. Et quoi? Oh purée, j'ai fourré. C'est terrible. Je l'ai pas tué. C'est quand même honteux, non? C'est quand même honteux, mais c'est pas grave. Il va nous sauter dessus, lui, pour encore. Il a l'air content. Moi, j'ai des super émotes. Waouh, il est beau en vrai. Hein. C'est un emote de base, mais il est pas mal. Voilà. Bon. On n'a pas le brawl pass, parce que, comme j'ai dit, on mettra pas un centime de ma poche. Mais encore une fois, si vous envoyez un petit mail et vous dites achète le brawl pass, vous envoyez le truc. Voilà. Donc ça peut être drôle. Mais c'est drôle aussi, je pense que le cas c'est drôle. Je pense que le cas c'est drôle si vous envoyez, et je pense que c'est aussi drôle si on envoie rien du tout, qu'on reste full free to play. Donc, en tout cas, ça c'est vous qui dites. C'est vous qui décidez. C'est ça qui est bien. C'est que c'est vous qui contrôlez l'histoire. Est-ce qu'avec ça, on a gagné 8 terres supplémentaires pour débloquer Nita? Eh oui, on a débloqué Nita. Eh, on se met très très bien, nouveau brawler. Attendez. Shelly, Bartaba, Nita qui va arriver maintenant. Oh là là. On a une boîte à 20 terres. Bon, ça serait pas mal d'aller peut-être chercher cette boîte à 20 terres. 4 trophées, on va prendre Nita direct. Voilà. En plus, on va se taper du gemme grab pendant 150 TR. Je pense que en off, on va avancer un peu aussi pour avoir ce brawl ball, machin. Chaque objectif, en fait, je pense, faudra le record. Hein. Ça va être sympathique. Bon, on y va avec mon magnifique skin de base. Bon, écoutez, on s'adapte. Hein. On s'adapte. C'est un peu le Brawlanta solo, hein, quelque part, là, parce que si on est seul sur l'île, il n'y a personne pour nous aider. Enfin, vous allez venir sur l'île bientôt. Attendez, vous allez venir, voilà. Une fois que vous aurez vu la vidéo, ou que je vous ai balancé sur Discord. Bah, peut-être je vais attendre la vidéo pour balancer le clan, peut-être c'est mieux, pour que ça soit équitable pour tous. Ok. Alors, on balance. Vas-y, on va lancer un petit ourson. Ah, il tape pas vite, c'est vrai qu'il n'a pas de star power ni rien. tiens, vas-y, c'est cadeau. Tiens, tu viens là, toi. Oh ouais. Ah non, je l'ai pas mis le... Attends, qui c'est qui m'a slow comme ça? Ah non, c'est personne en fait, c'est ma connexion. Je me suis... Eh, c'est le gadget de ma connexion qui m'a slow comme ça. Elle a un gadget, en fait, c'est ça, les connexions, elles ont des gadgets, genre... Ralentissement, stun... Faudrait mettre un icône Wi-Fi sur ce type de... Je sais pas ce que vous en pensez, je suis sûr qu'il y en a qui... Oh, plus compte... Non, en vrai, il peut... Non, eh, on se calme. Hein. Ils savent pas back, en fait. Ça, le truc, c'est quand on est nouveau dans le jeu, on sait pas back. Hein, c'est un peu ça le truc. Bon, on va quand même ramasser des gemmes, on s'en fout. Hein. À ce niveau-là, on n'est pas en mode... hein. On a compris. Hein. Ça pourrait être drôle. Hein. De passer un rang 35, n'est-ce pas? Bah, déjà, là, sur le grand compte, on pourrait peut-être le faire un jour. Mais bon, même un 30. Mais non. Là, on est plus... ok. On est plus chill. Ok. Très bien. Ça passe. Bon, là, logiquement, 8 TR. Nouvelle boîte. Peut-être. Peut-être le 4ème brawler. Peut-être le 4ème brawler. Ça serait pas mal. Ça serait pas mal. Bon, on a 3 brawlers déjà, ce qui est bien parce que c'est qu'on peut faire des games ensemble. C'est-à-dire que l'un il prend Nita, l'autre il prend Shelly, l'autre il prend truc. Donc voilà. Ça va faire des grosses compos. Moi je prédis des compos de départ avec vous, ça va être Nita, Shelly, Bartaba. C'est quand même pas mal. Bon, nouveau brawler ou pas? Est-ce que vous pensez que maintenant il y a un nouveau brawler? Bim. Oh! La régalade. La régalade. J'ai jamais été trop content d'avoir des bras parce que ça va être tellement dur. Oh, 4 sur 50. Regardez-moi ça. Franchement, ça s'annonce pas mal. Et du coup, prochaine étape, machin. Bon, je pense que on a dit ce qu'il faut pour le démarrage. On a la petite vidéo de start. Vous avez compris. Mets en description pour
décision suivant achat, si vous envoyez de carte iTunes ou Google Play, ce que vous voulez, mais l'un ou l'autre. Si c'est des décisions autres, free to play 100% en commentaire, la première décision à prendre, c'est effectivement ce club. Est-ce qu'on garde le nom Tata Ginette ou est-ce qu'on change? Donc si vous mettez nom de clan, commentaire, dans les commentaires, nom de clan, deux points, Bibi la Malice, et qu'il y a 1000 pouces bleus dessus, et qu'il y a un autre commentaire, nom de clan Tata Ginette, il y en a 3, Bibi la Malice, il gagne, et on appelle le clan Bibi la Malice. Bon, j'en ai ça comme ça, hein. Prenez pas tout au premier degré, moi c'était des exemples, ok? Enfin, c'était un exemple. Voilà, écoutez, j'espère que ce petit projet vous aura plu. Discord en description, tout ça, donc Discord, mail, clan, tout ça, on est parti. La première décision, vous la prenez pour le clan, on prendra d'autres décisions ensemble, et bien sûr, on va jouer ensemble, en vocal, donc préparez vos petits micros, tout ça. Des bisous, à très bientôt, ciao, ciao.